donc je suis Eric Bousbacher, ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées et je m'occupe plus particulièrement de la formation au service prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. J'interviens notamment demain à la conférence concernant les actions qu'on a menées avec l'Académie de Toulouse pour la prévention des risques professionnels. Et notamment parce que les jeunes et les nouveaux embauchés représentent une sinistralité atypique. Voilà, les jeunes de moins de 25 ans ont une fois et demie plus de risques d'avoir un accident du travail que les autres salariés. Et on va présenter ce que peuvent faire notamment les tuteurs et maîtres de stage dans les entreprises, mais aussi des enseignants au sein des CFA pour pouvoir intégrer la prévention des risques professionnels dans leurs enseignements. Alors parce qu'ils sont souvent ils sont nouveaux sur les postes de travail, donc il y a cette méconnaissance en fait des risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés. L'inexpérience aussi bien entendu liée à leur jeunesse. Et donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des outils pour des outils tuto PREV qui permettent de faire l'accueil en sécurité du jeune ou du nouvel embauché à son poste de travail, et d'avoir un échange avec son tuteur ou son maître de stage ou d'apprentissage pour identifier les risques, là où ils risquent de se faire mal, et surtout les mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour réduire ces risques. Alors, ces outils sont accessibles sur le site de l'INERS, ce sont des outils gratuits qui peuvent être téléchargés. Et la CARSAT Midi-Pyrénées propose aux CFA qui seraient volontaires de s'engager avec nous, comme on le fait aujourd'hui avec l'Académie de Toulouse sur l'enseignement public auprès de lycées professionnels, de former les enseignants à la prévention des risques professionnels pour diffuser ces enseignements auprès de leurs élèves et de leurs apprentis. Une enquête épidémiologique de l'INERS a montré que les jeunes qui sont formés en santé et sécurité au travail, et notamment dans le cadre des enseignements et des partenariats qu'on a avec l'Académie de Toulouse, eh bien ces jeunes, lorsqu'ils sont formés, ils ont deux fois moins d'accidents du travail que les autres salariés, que les autres jeunes au même poste du travail, alors qui eux génèrent près d'une fois et demie plus d'accidents que les autres salariés. Donc il y a un vrai impact sur le fait de former les jeunes dès leur formation initiale à la prévention des risques professionnels. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'enseignement professionnel. Et on appelle les CFA volontaires à nous rejoindre dans le cadre du PRST, le plan régional santé au travail, avec d'autres partenaires à agir sur ces sujets avec nous.